C'est alors qu'on s'est rendu compte qu'il faudrait toujours des mecs comme nous pour faire ce que les autres sont incapables de faire. OCD. Original Casbur, obsédé ma couille. OCD. C'est lui qui t'emmerde ma gueule. Salut les gars, c'est pas du temps, j'espère que vous allez bien. Alors les gars, aujourd'hui on se retrouve pour du MW2 à l'ancienne avec l'arme préférée à Bibi, à Tonton, l'Ascarache, pour une petite nucléaire en match à mort par équipe. Je vous ai pas mis le début, parce que j'ai fait de la merde au début. Et donc je vous ai mis la petite série, bon je vais me faire tuer je crois une fois entre temps. Et donc j'espère que ça vous plaira, parce que c'est quand même pas facile. Tout le monde va te dire, ouais, tu as fait 6 kills, Larry il a travaillé, il a fait la nucléaire. Franchement, faire une nucléaire en match à mort par équipe avec tous les cheaters qu'il y a, c'est pas facile. Donc j'espère que ça vous plaira. Mettez un petit like s'il vous plaît les gars, ça fait plaisir à Tonton. Ça lui fait, ça évalue une note pour sa vidéo, pour son gameplay, son commentary. Donc j'espère que vous kifferez ce gameplay. Match à mort vraiment, match à mort, nucléaire vraiment à la limite du temps, parce que vous savez que le MME ça finit en 7500 points. Donc suivez un petit peu d'un œil le gameplay, vous allez voir, ça a été très très juste. Belle nucléaire à la Tonton, ça fait plaisir. Pour la petite info, j'ai joué à peu près 4 heures pour faire une nucléaire parce que impossible de trouver des parties tellement c'était cheaté de partout, des mecs qui volent, qui sont transparents, qui te viennent au couteau, qui te... intuables. Donc voilà, on va parler un petit peu d'un sujet aujourd'hui, les cheaters intelligents. Je vais vous dire pourquoi j'ai trouvé ça. Parce que je me suis aperçu en fait à la fin de la game que vous allez voir à un moment dans la partie, je cours et je n'avais pas les atouts marathon limité ou je sais pas quoi, là, enfin pour léger marathon. En fait, je me suis rendu compte que la partie était hackée. Mais c'est pas pour ça que Tonton il a fait la MME, la nucléaire. Hein. Tonton il a fait tout seul la nucléaire. Donc en fait, voilà, je jouais avec un collègue, on était deux, je crois. Et voilà, je me suis rendu compte, voilà, c'est ici, sur cette partie là. Regardez bien. Vous allez voir que j'ai le marathon illimité. Regardez. Illimité, je m'arrête plus. Et en fait, je me suis rendu compte, je me suis dit, waouh, la partie de cheaté, des cheaters intelligents. Mais énorme, énorme. Mais franchement, merci, des mecs comme ça qui rajoutent des atouts sans des mecs intuables ni rien. Franchement, t'as la bombe, t'as la bombe, t'as la bombe. Regardez, je fais que courir, marathon limité. Une seule boîte, frère. Une seule boîte, il va dans le spawn ennemi. Il arrive, tac, tranquille. Mais franchement, le bonheur. Voilà, ça c'est top. Regardez, à 2-2, je fais le tour. Tout le monde est en marathon limité, c'est la bombe. En fait, je fais que courir. Tu niques pas ton joystick, tu niques pas ta manette. Donc voilà, franchement, j'espère que ça vous aura fait kiffer. Moi, perso, c'est de la bombe. Voilà, donc je remercie les cheaters intelligents, enfin les hackers, tout ça, là. Donc voilà, il y a longtemps, dans une vidéo, je les avais un petit peu chauffé en disant c'est des cons, des machins. Effectivement, il y a des cons, parce que les mecs qui sont invincibles et tout, franchement, je vois pas le mérite, c'est nul, ça pourrit les parties. Moi qui suis nostalgique des vieux Call of Duty, eh ben, ça me gâche un peu. Des fois, je joue 4ème partie et ça m'a gonflé. Donc voilà. La petite déblocage de la rive, ça y est, c'est chaud patate. Regardez déjà le score en bas, 4800 points. Qu'à 5000, donc la partie s'arrête à 7500, ça va aller très très vite. Là, effectivement, je fais travailler mon arrière, je prends pas trop de risques. Mais donc voilà, pour revenir aux cheaters, aux hackers, franchement, ça fait plaisir. Donc si toi, derrière cette caméra, tu es un hacker, tu fais des parties hackées sur des vieux Call of Duty, franchement, mets ton don, ton pouvoir, on va dire ça. Si tu peux le mettre à exécution, par exemple, je sais pas moi, que tout le monde jouerait avec 4-5 atouts supplémentaires sans le savoir, c'est énorme. Force d'opposition, poids léger, trucs comme ça, marathon illimité, je sais pas moi, ce serait pas mal, franchement. Bon, pas forcément sur des balles illimitées ou chargeurs illimités, ouais, peut-être chargeurs illimités, mais pas balles illimitées, mais des atouts vraiment qui servent à quelque chose pour améliorer le jeu, franchement, moi je trouve que c'est intelligent. Donc franchement, voilà, je vous dis merci pour ceux le peu qui sont intelligents, pour les autres, allez vous faire foutre, là je plaisante. Non, c'est vrai que franchement, ça gâche les parties des mecs invincibles et tout, qui sautent, qui sont transparents, moi, qui passe sous la map et tout, moi ça me rend fou, à quoi ça sert. Va jouer à Pokémon, frère, si tu sais pas jouer, si tu veux changer de guerre pour faire le warrior et être invincible, ça sert à rien. Voilà, nucléaire obtenu les gars, donc regardez le score, 7100 points. Tonton il va faire un massacre, il va faire la nucléaire et bibi. Il va tuer Rico, je tue tout le monde. Mon collègue avait l'éco-mitrailleur, je l'ai flingué. Dédicace à toi aussi, Rico. Et dédicace à. Putain, comment il s'appelle déjà l'abonné? Dédicace à Anis. Et oui, mon pote Anis, je t'ai pas oublié. Grosse dédicace à toi pour ce MW2, je sais que tu kiffes. Donc je t'ai pas oublié.
Voilà les gars, la partie s'achève. Bibi, il a défoncé tout le monde comme d'habitude. Non, je rigole. N'oubliez pas le like, le commentaire. 36 pour 4. Avec une partie cheatée, mais une bonne partie cheatée. Voilà, sur ce, j'espère que ça vous aura fait plaisir. Les gars, n'oubliez pas de voir les vidéos précédentes. Et sur ce, je vous fais une grosse bise. Bonnes vacances à tous. Et ciao les gars!